Salut à tous, je suis content de vous retrouver, c'est Daddy Big Poudisque. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 10 février, alors il y a un temps de chien, il pleut, regardez ce qui se passe, il y a du vent et tout. Et je viens d'arriver dans un endroit qui porte bien son nom, puisque ça s'appelle Chamouillé, et il y a une brocante, alors c'est 1 euro l'entrée, on va bien voir ce qu'on va trouver. C'est trop cher pour ce que c'est, je précise. Hein. Alors voilà. Voilà, du coup, j'ai appris la vidéo, voilà, c'est MPG50 de Gaming, voilà, pour ceux qui me connaissent, hein. Donc, allez me voir ma chaîne, si c'est pas encore fait, puis je vous laisse avec Daddy Big Poudisque. Alors voilà, donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de trouver quelque chose ayant rapport avec les vinyles, avec la musique en général, et puis, ma foi, on se retrouve tout de suite après pour le débriefing. Je vous montrerai ce que j'ai pu éventuellement acquérir. Voilà, à tout à l'heure, merci. Oui. Salut à tous, gentilles dames de vos messieurs, on se retrouve maintenant à la maison, de retour pour vous présenter les quelques petites choses que j'ai pu trouver à la brocante, alors à Chamouillé. Alors il n'y avait pas grand chose, on a vu quelques disques, mais à un prix défiant de concurrence, il y avait des anges à plus de 15 euros dans un état déplorable. Finalement, en termes de musique, on n'a pas acheté grand chose. Alors j'ai trouvé des pins, deux pins. J'ai trouvé, merci. Oui, voilà. On voit quelque chose, c'est marqué dessus « Sega ». Et vous savez, à l'époque, on disait « Sega, c'est plus fort que toi ». Ah, c'est pour moi, en fait. Voilà. En voilà un deuxième, encore un Sega. Et Chambourcy, oh oui. Voilà. Et puis, le troisième pins. Le troisième pins, là, il est excellent. On voit rien avec la qualité, là, on voit rien. On voit pas. Mais si, on... Il veut pas faire le focus. Et voici, celui-là. Il voit ce que c'est marqué. Ne faites pas chier avec vos pins de merde. Enfin, voilà. Deux pins. Voilà. Et puis, alors là, on a trouvé plusieurs petites choses super sympas. À commencer par ça, 2019. Alors, vous verrez pourquoi je parle des dates par la suite. 2019, il y avait deux petits vieux qui vendaient des saucissons 4 euros les 10. Alors, heureusement qu'on a trouvé ça. Alors, parce que... Bon, allez, on va voir ce qu'on a trouvé d'autre. Voici. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui ai voulu prendre. Voilà, alors, quelle folle, donc c'était de. C'est marqué dessus, c'est pas très vieux. Décembre 2018, numéro spécial Beatles, double blanc. J'avais loupé lorsqu'il est sorti, donc c'est intéressant. On va lire ça. Alors, autre chose, on reste toujours dans les chanteurs, notamment. Tu diras le prix à la fin. Le prix, oui, bon, c'était un peu cher. Mais enfin, voilà, donc le numéro Saga Musique de 2010, qui nous parle donc de John Lennon, Janis Joplin et Jimi Hendrix, les trois jeunes du rock disparus à peu près au même âge. Voilà. Ensuite, on va remonter dans le temps, toujours en restant au niveau des Beatles, avec l'encyclo rock. Quelle année? Rappel de l'année 76, je crois. Voilà. Donc, c'est le numéro... alors, c'est en vente chaque semaine. C'est le premier que j'ai vu sur le stand, tu vois. Alors, sur le stand, c'est l'encyclopédie numéro 9, qui coûtait à l'époque 2,50 francs, et qui raconte un peu l'histoire de... des Beatles, naturellement. Ton blog. Avec des photos. Alors, c'est quelque chose qui se suit, hein. Non, mais en fait, c'est pas que des Beatles, en fait. Là, on arrive, on est déjà à la page 111, donc évidemment, il manquait 100 premières pages. 110 premières pages, ça commence comme ça. Enfin, le 1er juillet 67, le chef de Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, est publié. Bon, bref, ça nous raconte toute cette histoire-là. Intéressant. Alors après, on a trouvé plusieurs magazines. Je les sors tous d'un coup. C'est les magazines Jukebox. Les magazines Jukebox. Donc, musique et passion. L'Argus des collectionneurs de disques. Alors, donc on retrouve quelque chose naturellement qui nous parle de John Lennon, Jimmy, Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin et Brian Jones. Donc celui-ci, c'est le numéro de 2012, on va remonter dans le temps. Vous voyez, donc avec un beau poster des billes. Voilà. Ensuite, voici un autre numéro qui lui date de août 2007, donc Elvis, en couverture. Alors voilà. Oui, donc ce qu'on parlait de l'encyclopédie, bon, par exemple, on va s'arrêter sur cette page-là, on est page 25 de l'album, on est dans les lettres M, et on s'aperçoit que, par exemple, Russell Moore, Wawa Boom Boom, vaut 7 euros, Gianni Morandi, à 30 euros. Mais ça, c'était l'époque.
Voilà. C'était les prix de l'époque et maintenant ça a doublé, voire triplé. Voilà, parce que... Alors on va remonter dans le temps, on est en septembre 2007, un numéro, puis un deuxième qui suit avec donc Sylvie Vartan, Paul Anka. Alors on a l'Argus du disque, sur les, alors, il existe des numéros spéciaux, donc sur les 30 autos étrangers, les 40 autos français, etc. Alors on est toujours dans la lettre M à ce moment-là et on voit que Nat King Cole, bah tiens, vaut 15 euros, les motions sont à 80, vaut etc. Valet, voilà. Hein, ça, faut qu'on regarde encore s'il existe encore le magazine là. Voilà. Ça a sûrement encore existé. Toujours donc le même magazine avec un poster qui est tombé, avec un poster des chaussettes noires. Voilà. Voilà. Comme ce que j'ai au pied d'ailleurs. Oui. Bon, bref, peu importe. Super blague, non ? Après, quelle année ? Je me suis pris avant. Alors encore 2007, je pense que la personne qui les a vendus devait les collectionner à cette époque-là. La voix du Hard, ou pas, Robert Plant. Donc... Fais gaffe, tu bugs. Donc là, on est dans les N. On est dans les N. Alors, qui est-ce qu'on va sortir ? Nina Frédéric, 6 euros. Nirvana. Nirvana, alors, imaginez à cette époque, Nirvana, l'album Pentecost Hotel est vendu 100 euros. Voilà. Et maintenant, il doit valoir 300 balles, parce que les gens sont tellement fous en ce moment. Voilà. Alors, on verra bien. Hé, hey, attends, pause. Tu vas trop vite, là. Voilà, mais c'est pas encore en pause, mais fais sourire à la caméra, là, voilà. Non, donc, il faudrait savoir, pour ceux qui savent, si ça existe encore ou pas, ce magazine, là, parce que ce serait bien d'avoir la cote actuelle, parce que la cote d'avant, c'est bien, mais il faut avoir aussi l'actuelle. Voilà, et... Continue, vas-y. Deux choses qui sont bonnes, l'entrecôte et le côte du Rhône. Bon. Aucun rapport. Aucun rapport, mais, enfin bon, c'était pour le plaisir. Ah, voici le numéro 2. 2002, donc un spécial 62, où on va retrouver eh bien, les pirates Gene Vincent, Vince Taylor, donc des articles de fond avec, des photos de notre ami Bon Johnny. Notre ami. Bah, c'est l'ami de tout le monde, l'ami de tous les Français, Vince Taylor. Bon, alors, où est la côte là-dedans ? Il n'y a pas la côte, mais on vous donne la liste des disques. Hein. Pour ceux que ça intéresse, alors, en mai 1962, le Hit Parade. Ça, c'est la première fois que j'envoie des trucs comme ça, on compte. Voilà, alors. Les box. Le Hit Parade, le premier en France en 62, en mai 62, c'était les chaussettes noires, avec un numéro 2, Johnny, en numéro 3, les chats sauvages. Et bon, les 45 tours d'Angleterre, c'était Elvis Presley, Good Luck Charm. Et puis on retrouvait Roy Orbison en 10e par exemple. Et aux États-Unis, le numéro 1 des 45 tours, c'est les Shirelles, Soldier Boy, pardon, Didi Sharp, les Match Potato Time. Bon, ça n'a rien à tout dire. S'ils veulent savoir, ils le trouveront. Voilà. Et voilà. Dernier. Parce que c'est intéressant, mais on va pas tout dire, c'est long, voilà. Quoi, alors, le dernier, Jukebox Mac, sorti en juillet 2001. Il valait à ce moment-là 38 francs, l'album. Alors, il est intéressant pour deux reprises. D'abord, 2001. Attends, on voit rien que tu flash. 2001, c'est l'année... Tu m'entends ? 2001, c'est l'année de naissance du caméraman. Et non, non, parce que c'était en juillet et moi, j'étais pas né encore. T'étais pas encore né. Et 61, c'est l'année de naissance de Daddy Big Poudis. Ouais, tus. Bon, voilà. Avec, bien sûr... La caméra, elle a vraiment du mal à... Avec la lumière, elle a vraiment du mal aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a, on s'en fout. Donc, on trouve des... Ouais, c'était le dernier. Le dernier avec un petit peu d'Elvis, là, ici, là. Si, si. Non, c'est pas Elvis, celui-là. Enfin, je croyais. Dit... Ah, parce qu'en fait, il se ressemble beaucoup, en fait. Il se ressemble beaucoup. Attends. Non, mais donne-moi là, ça, parce que... Oh, c'est... Ouh là, là là là, qu'est-ce qu'il est choulant aujourd'hui. Voilà. Un pouce bleu pour nos petits embrouilles, là. Voilà. Donc voilà, je passe un petit peu les pages. Oh, bien, pilote, là. Voilà, petit pervers. Bon. Voilà, quelques petites photos super sympas. Ouais, on vous passe en vitesse. Voilà, vous faites pause si vous voulez bien voir, touche pas ça. Petit con, voilà. Voilà. Et oui. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Enfin, c'est super intéressant. Il y a quelques petits tarifs là, ici, là, derrière. Oh, la caméra de merde, je te jure. Donc, voilà, nous avons le Cliff Richard ici. Alors, les prix sont en francs. Canedit. Voilà, bah ça c'est les prix de l'époque, les prix normaux que ça valait à l'époque, ce que ça valait toujours pour moi d'ailleurs, parce que voilà, parce que moi les côtes trop abusées j'aime pas trop, vous voyez.
Du coup, voilà, c'était la petite vidéo très sympathique comme d'habitude. Alors voilà. Voilà. Donc, bon, il n'y a pas eu de vinyle parce que j'ai pas trouvé de choses intéressantes. Non, trop cher, surtout. Trop cher. Parce qu'on en avait trouvé un, Je voulais prendre, c'était le Mylène Farmer. Ouais, l'album Mylène Farmer, hein, qui n'était pas extraordinaire. Et il était un peu rayé, mais il pouvait passer, mais 15 balles, non. Voilà, et la femme, elle dit, ah, je suis collectionneuse. Mais quand collectionneuse, vachement, ouais, parce que je fais les disques, merci. À plus de 15h30, les disques sont encore là, il y avait Ange, Mylène Farmer, oui, Sting. Imaginez le cimetière des Arlequins, toujours présent à 15h, il y avait un Beats, et le vendait 25€ le disque, c'était beaucoup trop cher. Alors voilà, la prochaine fois, ben, j'espère trouver quelques vinyles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Partager ça avec tous vos copains, vos copines et puis les autres. Alors, et on se dit à une prochaine fois. Gentilles dames et vous messieurs, bye! Pouille! Pouille! Non, non, non.